Bonjour tout à tous, amis, c'est Gaël de Toulon. J'espère que vous êtes en super forme, les copains. Premier cap intéressant. Premier cap, tout simplement, les 10 000 trophées sur le compte. 500K, on va bien sûr les passer dans cette vidéo aujourd'hui. Mais pas que, les gars. Mais pas que, car on va aussi se débloquer le Stchou et toutes les récompenses qui vont avec. Avec la méga boîte des 9 000 trophées, voilà, énormément de récompenses. J'espère, les copains, que vous me bombarderez les pouces bleus parce que vraiment, voilà, c'est un premier cap. Vous avez été nombreux à regarder les épisodes sur la. Sur la première partie de cette série, et comme je l'ai dit, on va aller aux 20 000 trophées, on va débloquer tous les brawlers. Pour l'instant, 30 brawlers de débloquer sur 46. Avec celui d'aujourd'hui, ça va faire 31. Peut-être un brawler bonus, les gars. Je vous l'ai dit, peut-être même la vidéo de la légendaire, on sait jamais. J'y crois toujours à chaque vidéo où on va ouvrir des caisses. J'y crois toujours que ce soit la vidéo de la nouvelle légendaire. Donc les copains, n'hésitez pas à m'exploser les pouces bleus une nouvelle fois. Si vous voulez qu'on débloque tous les brawlers, j'insiste bien sur tout, parce qu'il y en a un prochain qui va s'inviter à la fête, les gars. Je pense peut-être même dans la prochaine vidéo. Tout simplement belle, hein, les gars, on a deux doigts à la débloquer, donc j'ai vraiment, vraiment hâte. Ça fera un brawler de plus, et en plus un brawler que je n'ai même pas débloqué encore sur mon gros compte, donc je suis un petit peu comme un dingo. Donc les gars, le code créateur Gaël, n'hésitez pas à le rentrer, comme je l'ai dit, il s'efface régulièrement, toutes les semaines normalement, donc les gars, n'oubliez pas, ça coûte rien, ça fait plaisir de soutenir un créateur. Et il y a aussi un truc que je voulais vous dire, les gars, c'est qu'on va prendre le skin de Tara. Dès qu'on peut, promis, on prendra le skin de Tara. Parce que vraiment, là, les gars, celui-là, je le trouve vraiment stylé. Et qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce qu'on commence à souffrir un petit peu des récompenses? Ou est-ce qu'on... Vous voulez qu'on fasse quoi, là? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on joue, les gars? Dites-moi. Donnez-moi vos desiderata, parce qu'il nous manque des trophées, de toute façon. Donc, je pense qu'on va se jouer une partie avec le petit Gaël. Et après, on part en une game, une boîte. Et à la fin, la récupération de Stchou en passant les 10 000 trophées. Voilà, les gars, ça fait quand même plaisir. Vous êtes plus de 300 joueurs réguliers sur la série 500K. Ben voilà, jouer quoi, donc ça fait plaisir. Hein. En vérité, c'est toujours un truc de fou. Je pense que sur des concepts comme ça, si je fais 5-6 clans, je pense que je les remplis facilement. Le truc, c'est que je préfère en remplir 3, si vous voulez, pas plus, mais pouvoir les gérer déjà d'une. Et de deux, pouvoir faire un turnover, c'est-à-dire que quand les mecs lâchent l'aventure parce qu'ils reprennent les cours ou je ne sais quoi, on les vire, hein, c'est pas du tout méchant pour eux. Mais ça nous permet à nous de garder un clan hyper actif et du coup, tout le monde joue, tous les mecs sont connectés... Voilà, dès qu'il y a un jour d'absence, en kick, les gars, etc., etc. Vous avez compris le concept, les gars, il y aura plein d'autres concepts, en vérité. Hein. Tant que la chaîne dure, il y aura plein d'autres concepts. Celui-là, il est loin d'être fini, donc pour l'instant, on n'annonce pas les futurs concepts, parce que de toute façon, chaque chose en son temps. Les copains, il y a une Tara planquée, là, j'ai bien vu qu'elle voulait me faire un coup bizarre. Le problème, c'est que Dipo, si elle joue bien, on va jamais la tuer. Je vais peut-être aller focus sur le troisième joueur, c'est quoi? C'est un ami. Oh, il est mignon, il a zéro popo. On va aller l'éclater, lui. Je pense que lui, il est beaucoup plus faible que moi, les gars. Toujours sans prendre au plus faible. Sur Brawl Stars, bien sûr. Dans la vraie vie, les plus faibles, faut les aider, les gars. Tara, elle a l'air nulle. Ok. J'ai dit qu'elle était forte, mais elle a l'air complètement claquose parce qu'elle a loupé l'ulti qui aurait juste pu lui permettre de me défoncer. Alors, par contre, c'est que même en jouant mal, comment je vais claquer une Tara? Comment je peux faire, les copains? Comment je peux faire? J'aurais adoré la coincer. Ah, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Comment je vais pouvoir la battre, les gars? Si je la bats, je suis le boss. On est d'accord que si j'arrive à la battre, alors qu'elle a 11 pots, j'en ai 4, je suis le boss. Le boss de fin, mais là, pour l'instant, je suis le boss... Je suis le boss de rien du tout, là. En vrai, j'aurais kiffé la coincer contre un mur. Et l'ulti, mais non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. L'ulti qui passe. 376 PV. Oh là là, les gars, on a deux doigts à la tuer, vas-y, vas-y. Elle était nulle, oh, elle était épouvantable, épouvantablement nulle, les gars, elle a loupé deux ultis, le deuxième, elle a réussi, mais elle avait plus de coups. Sur Tara, il est évident, les gars, que dès que vous utilisez l'ulti, il faut absolument, absolument avoir ces trois coups chargés, hein, les gars, ne gaspillez jamais un ulti, si vous n'avez pas l'air. Alors, vu que le but, c'est de jouer solo, je vais... me mute, hein, du coup, voilà, mes frérots ne pourront pas jouer avec moi, je me demande de pas déranger, c'est pas que je ne les aime pas, mais voilà, c'est simplement pas le concept, les gars. Petit screen, tout simplement, pour les 10 000 trophées, on se servira du petit écran du haut, et je pense que c'est le moment de booster un de mes brawlers et de récupérer les récompenses. Alors les gars, sur qui on va mettre ces points de pouvoir? Je vous avoue que ça m'embête un petit peu d'aller cramer maintenant, j'aurais bien aimé les garder, mais j'ai pas vraiment d'idée de sur... Ouais, vous voulez qu'on les mette sur qui? En vérité, on peut les foutre sur mon petit Surge. Ça fait longtemps que je dis que je veux le gadget de Surge pour le jouer, donc au moins on est cohérent. Il va passer niveau 7, car on va l'augmenter de suite, les gars. Bien sûr, Surge, il est où? Surge, on l'a monté un petit peu en trophée, mais pas des masses, je crois. Les gars, Surge, il est là, il passe niveau 7, donc potentiellement, si on voit un clignoting, les gars, ce sera peut-être son gadget que j'attends vraiment de pied ferme. Donc croisons les doigts, nous avons 66 gold.
du Carlito, du Wally et du Beau et des doubleurs de jetons. Ça fait toujours plaisir de récupérer des doubleurs de jetons. Est-ce que c'est l'opération méga boîte ou est-ce qu'on fait pas une game? Est-ce qu'on fait pas une game, les gars, avec le Surge? Qu'est-ce que vous en pensez? On se fait une petite game histoire de mériter à chaque fois, les gars. Ça vous va comme concept, ça? Ça vous va? En vérité, j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes. Hein. Je sais très bien qu'on est à 12 000 packs opening, mais j'en ai encore tellement à récupérer. Et j'ai encore le Brawl Pass actuel. Oh là là, les gars, ça. S'il n'y a pas de légendaire là-dedans, je comprends plus rien. D'ailleurs, j'espère qu'il y a une légendaire dans la méga boîte qu'on va s'ouvrir juste après cette partie, les gars. Vraiment, j'espère qu'on va faire un top 1 qui va porter bonheur, déjà. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, les copains. Alors, attendez, les gars, il y a un petit bar tabac par là, il m'a pas vu, donc on va le soulever. Ah, c'est pas beau, les gars, il m'avait pas vu. Tonton, pas de pitié, il est arrivé, on l'a défoncé. Alors, attention le Rico, quand même. Ok, Rico, ça peut faire mal, hein. Je prends un peu des risques, parce que on est en vidéo et que j'ai pas franchement envie de me cacher. Oh là là, comme je suis pas bien, comme je suis pas bien. Est-ce que vous pensez que il prend sa touche? Ok, il meurt, on est niveau 3, le but c'est de charger les niveaux forcément. Oh là là les gars, 233 PV. 233 PV pour Tonton, on va régénérer un petit peu par là, et s'il arrive le Nani, on va charger notre niveau max tout simplement sur lui. Hein. Parce que s'il veut jouer à Tonton, s'il veut jouer avec Tonton, il ne faut pas les gars, faut jamais jouer avec moi, je ne rigole pas avec eux. Ok, on s'est fait toucher pour l'instant, Nani il a 0 pot, mais il est vachement chaud le frère. Ok, je touche pas une fois. Oh les gars, on est niveau max. Ok, c'est déjà une première bonne nouvelle. Le arcade, il est pas super bien. Ah, par contre, si je tire sur le arcade et que lui, il me tire dessus en haut, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, frérot. Il a une popo, ok. Alors, je vais régène, je régène. Oh là là, mais je suis low de ouf. Attends, les gars, j'ai pas le droit de perdre. On est niveau max du Surge. On a 5 pots, interdiction de perdre. Alors, les copains, comment je vais... Mais comment ça se fait qu'il me touche à chaque fois, lui? C'est un truc de dingue. Ok, lui, on a touché le Stew. On va toucher les copains, qu'est-ce qu'on fait? Lui, il a pas pris sa touche, à gauche, il y a le Nani qui va mourir, lui, il a suffisamment joué avec moi pour qu'on aille l'éclater. Alors, je peux pas focus deux mecs, hein, j'arrive pas à le faire, là, il y a l'arcade, je pense qu'il y a l'arcade, il se fait éclater ou pas là? Oh là là là, dommage, sa tourelle, elle saoule. Ok, sa tourelle, elle saoule, mais sa tourelle, elle va mourir, attention les gars! La game a crash, mais oui, c'est un scandale, on fait un plus 8, on s'est fait des pop par le arcade qu'on méritait 100 fois de défoncer. J'ai un peu bégayé sur la fin, mais en vérité, c'est pas grave, parce qu'on va s'ouvrir tout simplement cette méga boîte qui contient, je l'espère les gars, un 6, qui veut dire soit, éventuellement, le meilleur gadget du jeu, qui est le gadget de Surge, en tout cas le plus fun, soit un nouveau brawler, voilà. Si ça contient pas un des deux trucs, on peut aller se recoucher, les gars, oui, clairement, on peut aller se recoucher. Allez, on croise les doigts, s'il te plaît, le jeu, fais-moi kiffer. Ah, c'est bon, les gars, purée, on a fini de kiffer sur ce compte, je crois que c'est la fin de l'aventure. On a fini l'aventure sur le compte 500K, c'est fini, on n'a plus le droit de rêver. Alors, j'espère que je dis des bêtises, franchement, parce que si on débloque plus de brawler, ça va pas le faire. Le petit ricochet qui est là, qu'est-ce que vous voulez qu'on... Bon, la Jessie, elle est déjà 700, on s'en fout un petit peu. Franchement, les gars, je suis dégoûté qu'on ait pas de chance comme ça. Je récupère le gold, les points de pouvoir, vous voulez qu'on les mette à qui, les points de pouvoir? Est-ce qu'on continue à monter Surge ou pas? En vrai, je peux les mettre à mon petit jean, tiens, mon petit jean, il est mignon. D'ailleurs, on va faire une game avec. On va faire une petite game avec, avant de débloquer le Stew, qui est le deuxième objectif de la vidéo. Le petit jean, il est là, on part en solo. Allez, les gars, ghost test et le petit jean. Je pense que c'est un de mes brawlers préférés au niveau max, hein, forcément, à ce niveau-là, on verra un petit peu ce que ça va donner. Alors, il y a un bar tabac en haut à droite. Ah, c'est dur de farmer des popos avec Jean. Alors, si je peux charger un ulti sur quelqu'un, style Poco, ça me suffit, voilà. Poco, il tire pas, je sais pas pourquoi. Tant mieux pour nous, on va le tuer, on va se récupérer cette caisse-là. Ce qui est cool, c'est que là, 3 popos, on va déjà farmer un petit peu plus vite les caisses. Et c'est une bonne nouvelle, les gars. C'est un début de bonne nouvelle, 4 caisses, j'en ai vu en bas, non? Oh là là, c'est bon ça, les gars, le start qui était pas dingue au début, au final, le start qui nous met bien. Alors, attends. Non, il est gentil, il me lâche. Il est nul ou il est gentil, un des deux. Je pense qu'il est nul. Oh, qu'est-ce qu'il fait, frérot? Qu'est-ce qu'il fait, ce mec? On va le grab. Toujours profiter des situations favorables contre des mecs mauvais. Et en l'occurrence, je pense qu'il est nul. On l'a, là, ou pas? Est-ce qu'on l'a?
Ok, les gars, on passe à 8 pots. Bon, là, clairement, on a le top 1. Là, je vous le dis, les gars, si on ne top 1 pas avec un jean 8 pots, je comprends plus Brawl Stars, les gars. Je ne comprends plus Brawl Stars, les copains. Est-ce que vous voulez, les gars, dites-moi en commentaire. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait 9 pots, lui. J'ai manqué de respect au début, mais je me suis dit après, reste tranquille. Est-ce que vous voulez que demain on se fasse la vidéo sur Belle ou pas, les gars? Est-ce que ça vous hype? Est-ce que ça vous hype ou pas? Pour l'instant, on a loupé le grab du frère. Du frère Carlito. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? On est bien, bien en train de charger l'ulti sur lui. Il va mourir, il va mourir. Ah, le... En vrai, j'aurais dû... Je suis très, très nul. Très, très nul ce que j'ai fait. J'aurais dû le grab pour récupérer ses popos. Mais en vrai, lui, il a pas de caisse. Oh, l'auto-aim, les gars, l'auto-aim, l'auto-aim, l'auto-aim sur... L'auto-aim sur le grab, c'est incroyable. Le truc est plus précis que si on vit, c'est incroyable les gars, plus 10 sur le jean, ça fait plaisir, voilà, on va gagner le droit d'ouvrir la grosse boîte qui s'offre à nous tout simplement, en espérant qu'elle contienne soit moins de 40 gold, ce qui voudrait peut-être dire qu'on débloquera quelque chose dedans, s'il te plaît. 69 gold, donc normalement c'est mort. Hein. De la Nita et de la Shelly, oh, c'est incroyable de part de chance comme ça. Franchement les gars, je vous le dis, le Stu on le débloque, on va lui mettre des points de pouvoir, on va le tester directement. Est-ce que vous êtes prêts les gars? C'est une vidéo nouveau brawler une fois de plus. Le Stu qui tombe, qui est très très fort encore. Hein. Le Stu, franchement les gars, il reste très très OP. Donc c'est notre 31e brawler au passage. C'est ça qui est cool quand on ouvre quand on crée un nouveau compte, c'est qu'on débloque des brawlers quasiment tous les jours. Et ça, c'est quand même bien, bien, bien sympa. Alors, les gemmes, on va les récupérer, déjà. Parce que ne faut jamais laisser des gemmes traîner, les gars. Les points de pouvoir sur mon petit Stu, on lui en met 200. Et qu'est-ce qu'on lui fait? Qu'est-ce qu'on lui fait, les gars? Quel niveau ça le rend? Quel niveau, ça? Est-ce que ça le met à un niveau un peu sympa ou pas? Oh là là, les gars, on est pas mal. On est pas mal. On est niveau 5. Il est absolument interdit de faire une autre performance que top 1 sur cette game qui arrive, les gars. Donc, croisez les doigts. Encouragez-moi. Qu'on puisse faire un truc de ouf, hein, et le start est correct, le start est pas incroyable, mais ça va, en vrai ça va. Il y a un Carlito par là, aïe aïe aïe, j'ai fait un peu le fou, j'ai fait un peu le fou les gars, ok je me casse, j'ai vu que j'ai fait un peu le fou, mais en vrai, il y a un mec qui vient nous voler la caisse. Ok, lui il meurt, on va être à deux caisses, on va aller faire les dingues, là on va aller faire les dingues, il y a un Stu, il avait qu'une caisse je crois, le Stu qui était là les copains. Donc attention quand même qu'il soit pas encore là, si, si, il est encore là en plus. On prend les caisses des frérots, la Shelly pour moi c'est vraiment quelqu'un, quelque chose que je push facilement. Oh, c'est trop simple, ils meurent tous les gars, ils meurent tous. On va laisser récupérer la popo en bas, vous voulez qu'on se garde l'espèce d'ulti, hein, je l'ai cramé parce que de toute façon on a vu la portée. Qui là, c'est nul, alors qu'est-ce qui se cache? Face à quoi on pourrait perdre les gars? J'avoue qu'il n'y a pas grand chose qui puisse nous tuer là à mon avis. On est vraiment, on a un brawler qui est un peu passe-partout. Alors le mec il se cache plutôt en haut ou plutôt en bas? Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Vous le voyez de quel côté vous? Il y a... Oh il est mignon, un petit Jacker, il a absolument aucune chance de nous battre. Et du coup on lui a fait la misère. On lui a fait la misère les copains, on fait un plus 10. La vidéo a été plutôt prolifique en nombre de trophées, ce qui est plutôt une bonne chose. Et du coup on est à 10 029 et je crois qu'il nous manquait 10 trophées. Donc on a fait un plus 39 dans cette vidéo. On a avancé tout simplement sur le fait de débloquer Belle, ce qui est plutôt une bonne chose. Il me reste pas beaucoup de quêtes. Je rappelle que je fais la vidéo, les gars. Je vous la posterai le mardi et je la rec le lundi. Du coup, je la rec le lundi dans l'après-midi, à peu près 17h. Tout ça pour vous dire que les quêtes se refresh demain matin. Il y aura des nouvelles quêtes. C'est pour ça que j'ai des grandes chances de pouvoir vous faire la fameuse vidéo où on débloque Belle, le nouveau brawler chromatique, demain matin, et ça, ça fait grave, 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 grave plaisir, et je suis tellement content, les gars, que je décide de relancer, voilà, c'est comme ça. Alors, Jessie, est-ce qu'elle veut bien? Ouais, c'est pas terrible ce que j'ai fait, 6 PV, on est large, on est large de ouf, le Daryl à droite, il a farmé les deux popos, cette espèce d'escrou, il m'en a même pas laissé une, j'aurais pu mourir, les gars, franchement, si j'étais mort, les gars, je vous aurais laissé la loose comme ça. Hein. Croyez pas que je vous fais un cut. Hein. C'est cadeau, c'est cadeau. C'est comme ça. Ça me fait plaisir. Alors, il y a un Daryl. Est-ce que... Ah, il a l'air nul. Ok. S'il est vu qu'il est nul, on en profite. Il y a une Penny par le... Ah, le logo, les gars. Vous étiez nombreux à vous inquiéter, je suis sûr. Ben non, les gars, ne vous inquiétez plus. Il est là. On était sans nouvelles. Et au final, ben, ça va, il va bien. Alors, il y a une Penny, là. Ok, on va récupérer ça. Vas-y, lui, on va le fumer parce qu'il fait un peu trop le foufou. Ok, 7-8. Qu'est-ce qu'il va y avoir en haut, les gars? Il y a une Shelly à droite, c'est ça. Ouh là là là, les gars, j'ai un peu paniqué, là. Attention, attention, qu'on n'avait pas perdu une game qui est quasiment gagnée.
J'ai pas envie d'auto-aim, mais quand même, les gars, hein, quand même, l'auto-aim, c'est quand même la base. Hein. C'est quand même plus simple sur un brawler qui bourrine comme Stu. Alors, j'ai cru voir un truc à gauche. Oh, c'est un petit costaud, hein, il a aucune chance. Franchement, les gars, sur les confrontations directes, on a carrément de la chance. À chaque fois, on croise des brawlers qui ont 100 000 points de vie et qui vont à 2 à l'heure. Et du coup, on les défonce. Ça fait plaisir. En même temps, il n'y a pas vraiment de mérite sur les premières games quand vous débloquez un brawler, les gars. C'est vraiment archi, archi, archi simple. Donc, en tout cas, les copains, je vous fais d'énormes bisous à tous. Ah, on pourra peut-être, les copains, si vous voulez... Si vous voulez, l'offre, ouais, quand j'ai publié la vidéo, l'offre, elle sera encore valable un jour. Donc, si vous mettez 5000 pouces bleus sous la vidéo, on se prendra les 2 mégaboîtes, même si ça nous a pas vraiment porté chance d'ouvrir 6 mégaboîtes dans la vidéo d'hier. Franchement, les gars, concrètement, je pense qu'on peut quand même se laisser tenter. Voilà, 89 GM, 2 mégaboîtes, on a les GM. Bon, pourquoi pas, les gars. À voir un petit peu ce que vous voulez qu'on fasse. On se récupère juste ça. Et voilà, ça va être le moment de se dire au revoir, les gars. Je sais que c'est un moment douloureux. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo en entier. Voilà, moi j'augmente max. Je pense que c'est à peu près tout. Je vais rusher en off parce que le but c'est les 20 000 trophées. Je n'ai qu'une parole, croyez-moi qu'on va le faire. Il nous manque plus que 15 brawlers. On commence à avancer, les gars. Il reste encore du parcours, mais on commence à avancer. Moi je vous fais des gros 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 bisous à tous. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao.